au pouvoir Bélier qui est venu aussi présent ce soir. Pour assister aux dernières heures de son règne, parce que c'est ce qui va se passer là. Avant de rentrer dans le vif du sujet, aucune mobilisation ne pourrait se faire à l'image des mobilisations et des réunions des Nègres Marrons, ne pourrait se faire sans un hommage aux ancêtres. Et donc je vais demander à chacun d'entre vous de se lever pendant une minute, quelle que soit vos croyances, que vous soyez chrétien, adventiste du septième jour, musulman, bouddhiste, et là n'est pas le problème, nous n'excluons personne. Mais ce soir, nous devons être dans une dynamique de communion, et même les RG ont le droit de se lever. En l'honneur de nos ancêtres, morts au combat, pour que notre population puisse retrouver plus que jamais la liberté. Merci à vous. Ce sont les meilleurs animaux qui ont été arrachés à l'Afrique pour être emmenés dans le nouveau monde, on ne le dit pas assez. Donc ceux qui vous disent déjà que vous êtes des descendants d'esclaves, sont des personnes qui peuvent s'assigner à la résistance de la pensée, ils peuvent vous faire que vous oubliez qui vous étiez, ne l'oubliez jamais, vous êtes un peuple de géants et vous êtes la meilleure partie de la population africaine en Afrique. On se plaint de la situation que notre population connaît. Quand le chlordécone arrive, on se dit, vous vous rendez compte, nous sommes maltraités, nous sommes oubliés. Mais le problème est que vous êtes les seuls à avoir cru que vous étiez français. Personne. Thank you.
caractère. Tu prends comme drapeau le drapeau de ceux qui n'ont cessé de nous opprimer et qui nous oppriment encore aujourd'hui. Nous sommes le seul peuple sur cette terre, comme notre Corée au Sénégal, Pakistan, qui est encore à la place de Corée, là où nous nous rendons. C'est Europe qui nous a traversé. Le plus important, c'est la discipline. Il n'y aura pas d'acte de violence aujourd'hui. Ce que certains médias voudront retenir de nous, c'est que nous sommes des casseurs. Nous ne sommes pas des casseurs. Nous ne sommes pas des violents. Nous sommes des acteurs politiques qui avons compris comment le système fonctionne et qui avons compris que le seul langage que malheureusement le système colonial sur cette plantation qu'est la Martinique aujourd'hui comprend, c'est le langage économique. Nous parlons de justice sociale pour la population martiniquaise. Tant que la justice sociale ne sera pas établie, que les Békéko contrôleront 95% des richesses et que la majorité de la population n'aura rien du tout, nous viendrons nous servir gratuitement, sans violence, sur le sucre de canne pour lequel notre population a travaillé pendant des siècles. Demandons à ce que le débat politique soit posé sur les richesses, sur l'inégale répartition des richesses dans ce début du 21e siècle dans les Caraïbes. Sinon la prochaine fois, nous serons beaucoup moins pacifiques.